Yo tout le monde, c'est Finichon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Glory, ça va être le deuxième épisode. Donc là en gros on va un peu ouvrir des lootbox. Donc j'ai des lootbox Twitter, lootbox Discord et des lootbox classiques, et on va aussi s'ouvrir des petites caisses de ravitaillement lourdes 15, 2, 3. Après, il y a aussi des caisses de ravitaillement moyennes aussi. Donc, c'est parti. Je pense qu'on va commencer. Bon, allez, par les Discord. Allez, allez, c'est parti. Ok, et en espérant avoir au moins un truc bien. Ouais, en vrai, ouais, ça va. Comme premier loot, ça va. C'est pas mal. Alors. Ok, ok. Oh, tas d'enchantement, c'est bien ça. Je vais pouvoir faire des machines avec. C'est bien, allez, c'est pas mal. Ouh, étiquette, en vrai, ça peut être pas mal. Je dis pas que c'est super, en vrai, c'est pas non plus incroyable. Ouais, ok. Ok, bon, maintenant, deux d'un coup. Ouais, ok, c'est bon, ça laguait juste. Ouais, en vrai, c'est bien. Regardez, ça, c'est des bottes. Alors, attendez. J'ai une 4. Ah mince, non, c'est pas ça. Voilà, regardez, ça donne ça. Hop là, mes petites bottes. Mince. Ok, donc maintenant, je vais les enlever quand même parce que c'est pas super. On va ouvrir. Oh. Alors, je vais en fait faire comme ça. Au moins, j'aurai... Ah, tiens. Bah, yes. Là, on en a deux. Oh, yes. On est bien, on est bien. Allez, allez, allez. Alors, ouh, pistolet. Et une pick bike. Alors, je vais juste regarder rapidement. Alors, j'ai rien oublié, ok. Une bike, ça se vend combien? Il n'y en a pas? Oh, mais c'est une chance. On va pouvoir la vendre super cher. Allez. Allez, allez, allez. Ok. What? Une autre bike. Ok, super, bon, bah... Non mais c'est le deuxième œuf quoi que j'ai. C'est abusé. On a une... C'est une cheap bike et ça c'est une pig bike. En vrai c'est bien. Mmh. Yes. Allez, allez, allez. Du pain. Ouh, un œuf de cochon. Et c'est bien ça, c'est bien, c'est bien. Je sens qu'on va se mettre trop bien avec ça. Allez, 4 à la fois. 4. Hop, allez, hop. Hop là. Quoi, non, mais de la chair putréfiée, c'est une blague. Ok, c'est pas non plus super. On va mettre ça peut-être dans ce... Ouais, non, y a pas un coffre vide. Y a pas de coffre... Ah, si. Oh, yes, ok. On va mettre tout ça là. Ouah, en vrai, là, on va gagner tellement de choses. Ouah, on va se mettre trop bien avec tout ça. Oh là là. Incroyable. Alors... En fait, en ouvrir 4 à la fois, c'est un peu galère, donc... Alors... Oh, non, c'est complètement pourri. Mais non, non, allez. Allez, les deux dernières. Les deux dernières, s'il vous plaît, entre bien. Et encore la même chose. Bon, au moins, on aura... Oh, non, ça, c'est bien, ça, c'est marrant. C'est très marrant, attention. Regardez. Ah, ouais, mais non, mince, j'ai un casque, donc en fait, ça se voit pas. Mais c'est pas grave. En gros, c'est trop bien. Mais c'est une sorte de couronne. Ah mince, j'ai oublié. Voilà. Ok. C'était quel coffre? Celui-là? Non, c'était celui-là, je crois, ouais. Ok, c'est bon. Alors, maintenant, on va ouvrir nos lootbox Twitter. On n'en a que 16. Donc, ah mince, bah super. Hein. Maintenant, je ne peux plus. Alors. Ok. Oh, une pomme d'or. Et encore un truc jambière de vache. Ça va en vrai. Allez, on ouvre. Allez, allez, allez. Un petit truc. C'est quoi ça? Un under chest ou quoi? Oh oui, et une fiole d'XP. C'est pas mal en vrai. Et on gagne quand même des trucs pas mal. Alors, je vais juste regarder. Un under chest, ça se vend. Hop. Ah, bah, je pense que faut juste écrire. Chest.
Ou ça se vend minimum 145, c'est pas mal. Je pense qu'on le vendra un peu moins cher, comme ça on pourra se faire un peu d'argent. Oh! Un missile! Un missile et 3 bytes! Oh purée! Oh purée! Oh non, mais attendez, faut que je fasse un truc là. C'est bon, j'ai fait un screenshot. Oh purée! On aura eu un missile! Et pourtant, c'est que des trucs rares, hein, ça. C'est pas non plus, j'ai envie de dire, c'est pas les plus rares. Cowbike. Mais non, mais on aura plein de bikes. C'est incroyable. Là, si je veux faire une collection, ça devrait aller vite. Encore une bike. Bon, en vrai, ça devient un peu énervant. Oh, c'est Wolf Bike. Je crois que c'est assez rare, ça, en plus. Ouais, donc non, en vrai, ouais, je suis quand même bien parti. Un autre œuf de cochon et une bibliothèque. Oh, c'est trop bien ça, c'est super souvent à crafter les bibliothèques. Donc ouais, là pour le coup c'est bien. Mais tellement bien. Alors. Oh non, mais encore quoi. Non, mais ça par contre c'est trop bourré. Allez, les deux dernières. Bon, j'espère avoir quand même un autre truc bien. Et non, ok, on aura eu deux fois cette corne. Mais c'est pas fini, il nous reste encore pas mal de trucs. Donc c'est parti. Ouah, mais après tout le stuff que j'ai eu, je vais mettre quand même pas mal de temps à l'ouvrir, à tout déplacer. Donc ça, on va juste le changer en foin normal parce que sinon ça va être un peu saoulant. What? Oh là là, bon bah c'est chaud. Ouais, ok, ici aussi il n'y a rien, donc ça devrait aller. Je vais mettre ça là. Bande de menuiserie. En vrai, c'est pas mal, les bandes de menuiserie. C'est complètement pourri, mais c'est pas... On va les ouvrir une à une, celle-là. Alors. Hop là. On a gagné. Waouh, en vrai, ouais, c'est bien. Binoclard. Non, ça s'équipe pas. Je sais pas à quoi ça sert. Comment ça marche, les binoclards? Je ne sais pas. Oh, on vient de gagner 100 $ dans la loot box. Bon, après, tout ce que j'ai dépensé pour les avoir, c'est pas super, mais bon. C'est pas grave. Alors, ouais, en vrai, ça va, on a encore eu une couronne. J'en ai marre des couronnes. Mais vraiment. Alors, cette pioche, on va la garder. Et. Ouais, en vrai, ça va. On a eu. Oh, quand même, une Faerite. C'est un minerai du Nether. Et c'est quand même assez rare parce que. Moi, là, j'en ai 5 lingots et j'ai fait déjà plusieurs séances de 3 heures de minage. Pour les avoir. Oh, mais regardez, et on a encore gagné 100. Mais là, un autre truc Fire Rate. Oh là là, je suis trop bien. C'est trop bien. Allez, allez, allez. On va mettre tout ça là-dedans. Et en plus, on a gagné un gâteau. Oh, c'est trop bien. Il nous reste encore les loot box de ravitaillement. Je vais voir celles qui sont les... Ok, c'est celle-là la plus basse. Après... Ça, c'est celle-là, celle-là, celle-là. Comment je sais? Bah, parce qu'en fait, ça, c'est juste des caisses de ravitaillement normales. Donc, en gros, c'est ni moyenne, ni lourde. Donc, voilà. Là, après, c'est les moyennes. Et puis, les lourdes, c'est les meilleures. On va les ouvrir à la fin. Ok. Il faut les casser. Et on a gagné de l'onyx. Eh, l'onyx 6. Alors, déjà, rien que pour vous montrer l'onyx. Attends, onyx. Ça se vend 95 unités. Ce qui est quand même énorme, hein, je veux dire. Et oh, des potions, poissons, ouais, c'est des poissons. Je vais voir à combien ça se vend. Ok, non, en fait, c'est complètement pourri. J'ai rien à alors là, on vient d'avoir un détecteur de cavité, des boissons énergisantes, ça c'est bien. Détecteur de gravité, c'est extrêmement bien. Ça permet en fait d'avoir de trouver des grottes. Ok, maintenant. Maintenant, on va ouvrir une once. Oh, purée. Waouh. Alors, la Dragonstone, juste pour vous montrer, c'est 75 unités. Mais je crois que c'est mieux. Non, non, c'est moins bien, je crois. Mais on a quand même gagné des bananes. Banana. Ok, ah bah on est déjà là. Ok, lourd 2, 3, et puis la dernière c'est à 15, c'est la meilleure. On va juste poser le stuff parce que c'est souvent les meilleurs.
Ah, mince, ok. Ok, c'est bon. Allez, hop là. Ah ouais, mais on aura eu 3, je crois, à peu près. C'est pas mal, c'est pas dégueu, quoi. C'est pas dégueu. Lourd 2 maintenant. Ok, ouh, torse prototype sombre et rejenivant le truc. Je ne peux pas l'utiliser car il n'y a que ceux qui ont acheté un grade premium qui peuvent l'utiliser. Donc je pense que ça, je vais le vendre. Un autre truc prototype sombre. C'est pas mal. Ça, c'est la 3, je crois. Regardez, il y a un beau 3 écrit. Et puis. Ok, mais c'est bien en vrai. Oh, mais là, on en a deux. Je pourrais les vendre en plus. Regardez. Le proto sombre, ça se vend à. Maintenant, ça c'est. Ah, mais il n'y en a même pas. Attendez. Non, non, il n'y en a même pas en vente. Ok. Et normalement, là, on est censé avoir un full prototype sombre. En fait, une armure prototype sombre complète. Dans une loot box ravitaillement 15. Normalement, c'est obligé. Oh, mais déjà, la quantité de stuff. Oh, alors, regardez là. Hop. En vrai, non. On n'aurait pas eu un truc entier. Mais regardez, là, on en a quand même un full. Donc là, hop, je vais vite me l'équiper. Ça a un point de moins que, regardez, ici, de protection que mon autre armure. Mais j'ai un effet. What? Attendez. Où est mon effet? Voilà, j'ai un effet de résistance au feu qui est plutôt pas mal. Hein, il est pas dégueu. Donc, et en plus. Attendez, mais j'ai gagné autant d'argent? Non, c'est pas possible. Je n'y crois pas. Alors, attendez. Est-ce qu'on aura. Ah ouais, non, ça coûte 500. Ouais, non. Ok, alors. Je vais poser tout ça. Là, tout ce que j'ai gagné. Mais ça va être deux coffres remplis. Non, ça je ne l'ai pas gagné. ok. Et maintenant, on va faire un petit débrief. Donc, oh là là, je vais commencer, je pense, par les bikes, hein, donc les sortes de vélo, oui, vélo cochon, tout et tout, hop là. Alors, what, ça dépasse déjà tout ça. Puis là, je pense que j'en ai une ou deux. Non, j'en ai pas. Ah, j'en ai pas, ok. Bon, en vrai, j'en aurais quand même eu pas mal, hein. Donc, alors, j'aurais eu. Une bike cochon, non, j'en aurais eu trois, là, ici. Une bike sheep, en gros mouton, quoi. Deux bikes wolf et une bike cow. Donc, si vous savez pas comment ça marche, en fait, les bikes, c'est juste super simple, en fait. Vous prenez votre bike dans votre main, vous faites un clic droit sur le sol avec, et par exemple, regardez, vous avez un sheep ici. Et vous pouvez monter dessus, voyager, tout et tout. Et pour descendre, c'est la touche Shift si vous avez les mêmes touches configurées comme les miennes, quoi. Et vous en avez de différentes couleurs, des petits, des grands. Regardez, là, il y en a un petit, là, c'est des grands. Il y a. Donc, j'ai jamais testé les cochons, si j'ai déjà testé. Les cows aussi, mais jamais les wolves. Ce sera la première fois. Regardez, c'est exactement pareil. Pour les cochons. Donc voilà. Mais il y a un point intéressant, c'est que par exemple, quand vous en posez une, vous gardez un point de durabilité sur votre bike, et quand vous reprenez, vous regagnez. Mais par contre, si vous tapez votre cochon par exemple, et qu'après vous le. Bon. Ah! Bon voilà, si vous le tuez, vous avez perdu un point de durabilité. Et là, si je le reprends, attendez. Ok, voilà, bah regardez, j'aurais rien gagné, rien perdu en fait, un peu. Ça dépend, des fois vous perdez rien, mais voilà. Bon. Si vous en avez tapé un ou vous avez fait perdre des vies à un de vos cochons que vous avez posé avec votre bike, vous risquez de ne pas reprendre, vous avez moins de chances de reprendre la durabilité. Donc voilà, ça c'est un petit truc. Maintenant, on va faire l'écho. Donc l'écho, voilà quoi, en gros, c'est ça, rien de spécial, c'est un peu comme les cochons et les sheep, hein. C'est juste, ça permet d'aller plus vite, voilà, enfin, ça va pas très vite non plus,
Et donc voilà. Pourquoi ça me fait... Oups. Ouf. Voilà. Et il y a différentes couleurs, des blanches, des roses, enfin voilà. C'est juste trop bien. Donc ça, c'est juste incroyable. Oh, ouais, poulet rôti. Et les wolves. Oh, what? Bébé wolf. Waouh. Oh, des bleus. Oh, c'est mon favori, lui. Waouh. Oh. Mais il a tellement de vie. Non, 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 cramez pas, par contre, cramez pas. C'est la première fois que je vous ai. Alors, le petit, j'aimerais tester d'être dessus. À deux. Waouh, mais c'est tellement bien. Ok. Ok. Donc, on a testé les bikes à tester. Bon, ça, c'est un truc aussi que j'ai récupéré. Alors, maintenant, il y a ces trucs-là. Comme vous voyez, alors, je crois que j'en ai une autre en plus. Quatre. Vraiment, c'est incroyable. Bon, je vais enlever dans mon Galactic Craft. Non, c'est pas ça. Comestique. Mes pages. Non, c'est mes chapeaux. Non. Comment je fais? Ok, je vais en mettre aucun. Voilà, donc là, j'en ai aucun. Et donc maintenant, si je fais ça, hop, regardez, j'ai ma petite couronne. Voilà. Mais ça, en plus, ça a des points. Enfin, ça te rajoute. Ça rajoute un de protection. Donc c'est pas ouf, mais bon. C'est déjà ça. Mince. Ok, voilà. Donc ça c'est testé. Hein. C'est pas non plus le meilleur truc qu'on a. Mais. Alors attendez. Peut-être que ça se vend bien. Après, je sais pas. Parce que c'est quand même qu'un truc qu'on peut avoir. Ah ouais, c'est 24$ unité quand même. Waouh. Je vais quand même en garder un, hein, peut-être. Voilà quoi. Pour faire la collection un peu. Alors maintenant on va prendre les pas les œufs. Bon le blé j'imagine que vous savez ce que c'est. Pomme dorée aussi. Ça maintenant ça c'est super intéressant. Alors, je vais juste hop là faire ça comme ça. C'est des items en fait là les items que je suis en train de prendre là ceux que vous voyez là. Cela, c'est seulement des items que vous pouvez avoir dans des loot box. Donc en gros, ce que je viens d'ouvrir, vous pouvez pas en avoir autrement. Et là, j'ai trois fois les mêmes jambières et enfin j'ai trois autres modèles de jambières comme ça et deux autres de bottes. Ça protège pas beaucoup, mais c'est super stylé quand vous avez tout en fait. Voilà, regardez, c'est un peu collector en fait. Mais moi j'adore ce style. Alors c'est des jambières. Alors, okay. Mince. Non, ok. Ah oui, non. Alors c'est. Je vais voir s'il y en a qui sont en vente pour voir un peu. Voilà, regardez, c'est ça. Oh, torse. Oh ouais. Je l'achète. Je suis désolé, mais voilà quoi. Comme ça, il manquera plus que le casque. Regardez-moi, je trouve la classe. Je suis l'homme vache. Ah non, c'est le mec, mais bon. Bon. Alors, ça, c'est fait aussi. Non, mince. On va se rééquiper de ça. Bien, parce que c'est stylé, hein, mais ça l'est un peu plus, je trouve. Alors, bien sûr, comment ne pas oublier ça, hein? Quand même, j'ai eu un missile. Et ça vaut 5000 unités, je crois. On va d'ailleurs regarder, hein, sur le shop. Missile, le missile c'est. Ah non, c'est 1200. Ouais, mais moi c'est un conventionnel donc c'est différent. Pépito, missile 2, non mais. Sony, ouais, non, je sais pas. Non, je pense que ça se vend 1200, un truc du genre. On va juste le vendre, je sais pas, 1000 peut-être. 1000, voilà. Quantité 1, voilà. Donc ça c'est fait. Bon parce que si je peux me faire de l'argent, c'est bien. Ah mince, j'ai oublié celle-là. C'est pas grave. Bon après, il y a les minerais que j'ai récupérés. Je sais pas si je vous ai expliqué tout ce qu'ils ont là de particulier. Bon ça vous connaissez, c'est le diamant. Ça c'est le mithril. En gros, vous pouvez que les avoir sur les serveurs minage qu'il y a.
Donc ça, il faut juste faire slash tp main, comme ça. Bon, ça, c'est en minant, vous avez, hein, c'est relativement facile de l'avoir, hein, je vais miner 2 secondes, regardez. D'ailleurs, je crois qu'il y en a même là. Bon, s'il y en a, au moins, je pourrais faire ma démonstration. Alors, non. Ouais, en fait, un peu la flemme, quoi. On n'est pas là pour ça. Donc, je vais poser tout ça dans un coffre. Bon, les minerais là, ces minerais là, je les ai, je sais pas combien de fois, le blé, je m'en fiche un peu. Et puis voilà. C'est plutôt les trucs comme ça, quoi, qu'on peut que avoir dans les loot box qui m'intéressent. Ça, on peut que l'avoir aussi dans les loot box. Les œufs de cochon, c'est quand même assez rare. Donc, fried egg, ça, je peux le crafter, ça aussi. Les gâteaux, ça, c'est trop bien. Dans mes bibliothèques, regardez juste la galère que c'est. Bibliothèque. Voilà, c'est ces 3 livres. Je vous rappelle, enfin, je sais pas si je l'ai dit, mais dans la première vidéo, ben, les animaux, ils spawnent que très rarement. Si vous voulez avoir plein de trucs comme ça, il faut, ben, par exemple, avoir des spawners, comme ici. Et donc ça, bah, ça coûte cher, quoi. Les spawners, j'ai envie de dire, ça coûte. Alors, hop. Ça coûte 4 000 juste pour des chickens ou des pigs. Donc, on les a déjà. Mais par exemple, si on veut, par exemple, des mushroom cow, ça monte direct à 7 000. Bon, les cow, moi, je m'en suis acheté. Il y en a un il n'y a pas longtemps. Il était seulement à. Comment on dit 6 500, je crois. Mais bon, voilà, c'est pas mal quand même. Je vais pas vous mentir. Ça fait mal, quoi. L'argent, ça fait mal. Bon, je vais peut-être mettre quelques. Ouais, non, en fait, non. Attends, mauvaise idée. Alors, je vais mettre. Voilà, ça, par exemple, malachite, c'est des trucs que vous pouvez que avoir dans le Nether, quoi. C'est un nouveau minerai qu'ils ont rajouté avec l'illuminici. Hein. Je parle pas de la pyramide. Hein. L'illuminici, c'est ça, voilà, c'est 1 000 $ l'unité. Oh là là! Oh le mec, mais en gros, il a pris un lagot d'or, il a mis le nom d'illuminite, en gros, ça quoi. Désolé, j'ai du mal à prononcer aujourd'hui des mots. Mes phrases ne sont pas logiques, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, il l'a renommé en Illuminati, alors que bah c'est un lingot d'or, quoi. Et le gold, ça se vend que ça, regardez. Voilà, 4 $. Et lui, il veut le vendre à 1 000, quoi. Non, mais c'est là. En vrai, c'est une arnaque qui peut marcher, mais ça se fait vraiment pas, quoi. Bon, ça, ouais, ok. Ça, c'est trop bien. Radio, la radio, je crois que c'est dans les fournitures, et c'est quand même assez dur à avoir. Alors, MG fourniture. Voilà, non, c'est 200 pour la radio, donc en vrai, ouais, c'est pas mal. Mais on peut l'acheter, donc ça va. Ça, c'est un M9. Faites attention, ouais, voilà. Faites attention. What? Attention, j'ai un flingue. Bon, en vrai, non. Voilà. Je vais reposer. Alors ça c'est super bien parce que bande de menuiserie, je crois qu'on peut faire des crafts un peu mieux quoi. Après il y a les adamantium, voilà quoi, c'est par exemple là vous voyez j'étais à 21, maintenant je suis à 18 et ouais c'est un minerai aussi que vous pouvez que récupérer dans un serveur minage et pour bah en gros l'avoir. Adamantium, voilà c'est ça. Ça c'est ce que vous pouvez avoir en serveur minage. Mais bon, voilà. C'est quand même un peu souvent, quoi, à miner. Après, il y a, j'oublie ça, mais les armures. Oh ça, je reviens juste après dessus. Mais par exemple, il y a ces glaives là. Ça, c'est trop bien. Par exemple, là, c'est glaive en diamant et ça, glaive en émeraude. Alors ça peut pas se crafter. Donc, c'est que dans les loot box où vous pouvez l'avoir. Enfin, les pièces de ravitaillement. Et ça peut se crafter, par contre. Si je tape glaive, ouais, en gros, c'est exactement le même craft que ça. Juste là, c'est super bien enchanté. Donc, oui, ok, c'est pas mal, hein.
Les Faerite, ouais, je vous l'ai expliqué. C'est quand même assez rare. L'Onyx et la Dragonstone, je vais tout de suite le prendre. Et voilà. Alors ça, on va dégager parce que je pense pas que si quelqu'un il ait envie de trouver ça juste là. Mais bon. Voilà. Ça prend littéralement 3 heures. Nous sommes d'accord. Maman, je bug, mais. Ah bah voilà. Bon, je vais faire un petit tour dans les coffres et je reviens juste après. Alors, mais en vrai, ouais, c'est vraiment rare ce qu'on a eu quand même. Ah, il y en a un, il a suffoqué. Rip. Allez, go, hop. Donc, si vous voulez que je refasse un opening comme ça énorme, bah je vous conseille de péter la barre de like et de vous abonner, bien sûr. Si ce n'est pas déjà fait, parce que moi ça me ferait vraiment plaisir, et au moins je sais que ça vous aura plu. Ça, et donc bah voilà, parce que ça m'a quand même coûté relativement cher. Je vais vous montrer alors rien qu'une loot box. Voilà, ça coûte entre 300 à peu près, 300. Donc oui, c'est très cher. Hop là, ça, je mets. Et donc bah ouais, ça me ferait quand même très plaisir si vous likez. Donc bah je compte sur vous pour bah, péter la barre de like. Mais voilà. Donc là, on a les œufs à poser. En vrai, on a que eu des œufs de cochon, c'est un peu décevant. Mais c'est déjà ça. Là, j'ai des œufs de loup quand même. J'ai un œuf de loup, deux œufs de mouton. Enfin, après des cave spiders. Enfin, ça faut que je mette. Ouais, je pense que je vais me créer un chest où j'ai tous les trucs que j'ai reçus grâce au loot box. Je pense que ça fera pas mal au bout d'un moment. Parce que je pense que si on ouvre une loot box par vidéo, oui, je pense. Bon, là, il n'y aura pas de loot box avant je sais pas combien de temps. Hein, parce que. Voilà quoi. J'en ai quand même ouvert. Pas mal, ça va quand même coûter pas mal aussi, donc oui. Alors, hop, j'ai quoi? Ouais, non, c'est pas intéressant. Ok, donc maintenant on va tout déplacer. Ça, c'est des trucs que je ne peux que les gens qui ont payé un grade peuvent utiliser. Donc, moi, ça m'intéresse pas en fait. Donc, je vais voir combien ça coûte. Ok, donc. Par exemple, les rejuvenificateurs, je vais voir. Élec. Attendez, élec. Bah non, il n'y a rien en fait. Ouh, il y a des loot box, j'en ai, mais non. Non, non. Donc, ça, ouais. En fait, je sais pas. En fait, ouais, je vais les vendre, je pense. En vrai, c'est le seul truc que je peux faire avec, quoi. Vu que nous, là, les gens qui n'ont pas payé de grade, bah, on peut rien faire avec, quoi. C'est en gros, quand on meurt, en fait, bah, tu peux, après être mort, il peut, comment on dit, le mec premium peut aller chercher ça, faire un clic droit avec, et puis, en fait, il récupère son stuff, ce qui est plutôt cheat, en vrai. Mais bon, je pense que ouais, je vais les vendre. Allez, je vais le vendre 500 et 2. Allez, c'est bon. Ah oui, j'ai le sens des affaires, moi. Pas du tout, mais bon. Alors, ouais, la bibliothèque, je vais tout de suite la prendre. Ouais, je prends surtout ça, hop, c'est bien. Non, banane, c'est un peu nul. Les potions, c'est bien. Et je vais faire un autre aller-retour, ça m'énerve. Et donc je pense que je vais tout déplacer et puis bah je vais arrêter la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. On se retrouve pour une prochaine vidéo très très bientôt. Si ça se trouve, ce sera même aujourd'hui, hein. Bon, vu que je vais faire du montage, le montage, bah ça va prendre quand même un peu de temps, mais voilà. Donc bah à bientôt, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à bientôt.